Allez, gars. Allez. Les pieds pour protéger la sole, pour pas qu'il y ait un caillou qui soit coincé entre la sole et le fer, ce qui les handicaperait. Alors qu'est-ce que vous leur appliquez là? De l'onguant de pied. Et donne ton pied, donne. C'est pour l'entretien du sabot. Tous les deux jours, c'est primordial l'entretien des pieds. Surtout des chevaux de trait comme ceux-là, qui travaillent sur la route. Bijou. 4 jours de semaine, je vais chercher des chevaux et je les attelle sur l'hippobus pour transporter les enfants entre l'école de Chézieux-Dutheil et la cantine, qui est distante de 1 km. Ce sont des enfants de quel âge ? C'est des enfants qui sont en classe de CE2, CM1, donc 9-10 ans. Mais ils doivent être heureux, les gamins. Ah, ils sont... vous verrez. Le mieux, c'est quand je vais vous les présenter, vous verrez qu'ils sont très heureux. Tous les matins, à la sortie du pré, les chevaux, je leur donne ce qu'on appelle dans notre jargon le picotin. Voilà. Donc, ils sont en forme. Et je les toilette, donc ce que les anciens appellent ponçage. Donc, curer les pieds. Brosser les crins, brosser le cheval, contrôler qu'il soit en pleine forme. Et maintenant, je vais les harnacher. C'est ce qu'on appelle des harnais. Voilà. Alors, en étant plus précis, c'est des harnais type grand valier. Ça, c'est le harnais du cheval de gauche. Donc, ils sont repérés, mais bon, je les connais. Donc, ça, c'est le harnais du cheval de gauche. Là, maintenant, je vais lui mettre son collier. Et pour votre information, on est un petit peu cocorico, parce que ces harnais-là sont fabriqués en France. Ils ont été fabriqués par la sellerie Percheron. Et ils ont notamment développé le collier que je suis en train de mettre, hein, qui est le collier SP10, qui est l'avantage d'avoir été fabriqué avec des matériaux modernes, ce qui fait qu'il est beaucoup plus léger que le collier du grand-père. Alors comme on s'en sert tous les jours, économiser une dizaine de kilos tous les jours, ça fait plusieurs tonnes à la fin de l'année. Comme ça fatigue moins le cheval et surtout ça fatigue moins le cocher. J'ai décidé de monter une petite entreprise de traction animale. Il faut maintenant être détenteur d'un examen qui s'appelle le CS Cocher. Et donc, tout naturellement, j'ai été suivre la formation au Haras du Pin. Et cette formation a été complétée par la ville de Trouville-sur-Mer, puisque ces deux chevaux-là ont été à Trouville pendant 8 jours et on les a désensibilisés au trafic urbain. Ça, c'est des brides Licol, fabrication suisse. Donc l'avantage, c'est que quand je suis arrêté, je peux attacher le cheval à la bride. Voilà, la bride a été prévue pour attacher le cheval. Comme j'ai une 3/4 d'heure d'attente pendant que les enfants déjeunent, donc j'attache mes chevaux. Je ne suis pas obligé de remettre un licol par-dessus ou de débrider pour remettre un licol.
Alors, quelles sont ces grandes ficelles? Ce que vous appelez des ficelles, eh ben, nous, on appelle ça des guides. Voilà. Donc, là, je suis en train de mettre les guides du cheval de gauche. Donc, méthode que j'ai appris au Haras du Pin, le M. Voilà. Donc, toujours sécurité. Ce qu'on a beaucoup appris au Haras du Pin, c'est sécurité, sécurité, sécurité. Donc là, je mets mes guides en position de sécurité. Je vais les mettre... Un petit contrôle pour être sûr que je ne me suis pas trompé entre la droite et la gauche. Voilà. La plus longue est côté droit. Voilà. Donc je mets directement le côté gauche au mort. Voilà. Viens par là. Viens par là. Je prends la guide droite. Que je mets simplement au banquet. Voilà. Je la boucle. Mais je ne la passe pas dans le passant. Ça veut dire que ce n'est pas définitif. Pourquoi ce n'est pas définitif? Parce que quand mes chevaux vont être en paire, cette guide-là va être attachée au cheval de droite. Voilà. Donc là, maintenant, mes chevaux sont prêts. Là. Et je vous dis... Ah oui, je vous disais aussi au niveau sécurité... S'il y a un problème quelconque, les guides sont en position de sécurité. Il suffit que je tire là, hop, et je tiens le cheval. Alors que si elle n'avait pas été mise, si elle avait été mise n'importe comment, je ne peux pas la récupérer. Allez, on y va les gars là. Allez, recule. 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 Allez. Allez. Oh là, bougez pas, hein. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, je fais ce qu'on appelle les croisières, dans notre jargon. Donc la guide du cheval de droite va à gauche, et vice versa, la guide du cheval de gauche va à droite. Et donc là, comme c'est définitif, je mets le passant. Voilà. Et ta place, bijou. Bijou à ta place. Allez, dépêche-toi. Vous lui installez quoi là? Alors là, bah, j'ai mis ce qu'on appelle la mise à la voiture. Et dans la mise à la voiture, on met aussi les sacs à crottin. Parce que maintenant, il est hors de question que les chevaux mettent des crottins sur la route. Pendant la guerre, c'était prisé, les gens le ramassaient pour mettre dans leur jardin. Mais maintenant, ils ne sont pas contents quand il y a des crottins. Donc les chevaux,
Les voitures modernes sont équipées de sacs à crottins pour pas salir les routes. Alors, donc là maintenant, alors les chevaux sont à la voiture, et moi j'ai instauré une règle de sécurité un petit peu copiée sur l'aviation, c'est que je fais un check-up. Donc j'ai 13 points de contrôle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, mes croisières 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai rien oublié. On va pouvoir se changer et partir. Petite journée à 10h du matin et je vais déjeuner avec les enfants et les ramener à l'école et ma journée va être terminée vers 13h30. Les enfants prennent plaisir à y aller parce que bon, moi je vois dès qu'on a commencé à le faire, dès qu'ils entendaient parce que Claude passe devant l'école, il va faire demi-tour et revient. Dès qu'ils voyaient le cheval, ça y est, c'était voilà. Les enfants adorent ça quoi, parce que bon, quand ils voient arriver le quart, c'est vrai que c'est une autre, c'est pas la même chose quoi. C'est toi qui vas donner du pain aux chevaux ? Oui. Eh ben c'est bien. Allez les gars, trottez. On va attacher les chevaux à la barre. Et les gars, allez, unique. Là, je les attache et après, je vais aller déjeuner avec eux. Et ils restent là calmement. C'est là calmement pendant 30 minutes. Mais après, dès qu'ils sont attachés, il y a la séance du pain. Voilà.
Ah, t'aimes bien ce moment-là, alors, si je comprends bien. Oui. Alors, tu fais combien de fois par an? Une fois par an. Deux fois par an. Deux ou trois fois par an. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, deux ou trois fois. Comme vous êtes 24 et qu'on le fait à peu près 162... Non, on fait à peu près 120 jours par... Donc voilà, tu feras le calcul. Hein? Ouais, puis alors tu les caresses, c'est bien. Hein? Alors, lequel des deux tu préfères? Bah, les deux. Ah, c'est bien, t'es mignonne. C'est trop beau. Bah, allez, va manger. Ah, bon appétit, les enfants! Là, vous allez les récupérer? Ouais, je vais les récupérer à la sortie de la cantine, là. Allez, les gars, et reculez, là. Voilà. Et à droite, à droite. Allez. Allez, les gars, à droite. Allez. Et les gars, reculez. À droite, à droite. Peut-être avoir des futurs cochers. Donc, à la descente, hein, et ben c'est ma passagère qui va prendre les guides. Bon, prends les guides. Voilà. Alors, tu règles bien tes guides. Voilà. Allez, on y va, les gars. Marchez. Allez, marchez. À toi, pour tourner à gauche, tu indiques. Voilà, et tu cèdes. La route, là. Voilà. Allez, trottez. Elle a son permis de conduire? C'est simplement en conduite accompagnée, j'ai quand même les guides dans les mains. Je suis un petit peu leur idole, entre guillemets, et je pense que pour sauver la race percheronne, pas que la race percheronne, mais pour développer la race de chevaux de trait et pour le bonheur des enfants, il devrait y avoir une volonté politique. Actuellement, nous sommes une dizaine ou une quinzaine en France à faire du transport scolaire en hippobus, mais ça devrait être développé pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Merci Monsieur Segaud de ce moment vraiment très affectif avec les chevaux et les enfants. Je vous en prie. Allez les gars, allez, trottez.